Mes amis, bien le bonjour Comment ça va-t-il donc Bon, j'ai essayé de nettoyer cette, euh, cette webcam, mais que voulez-vous que je vous dise Ça ne fonctionne pas ça, Je ne sais pas, elle me fait un truc flou, euh, un truc artistique. Alors, euh, oh là là, tout ce qui se passe en ce moment, je ne vous raconte pas. Oh là 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 L'affaire Pididi, les copines, l'affaire Pididi, mais c'est monstrueux, c'est monstrueux Moi, je suis ça depuis euh, deux trois jours. Oh là 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 J'ai entendu des vidéos... Euh, C'est terrifiant. Donc, on est d'accord pour dire que le petit Justin Bieber a certainement été abusé par la pouf d'Adi. Bah, je vais l'appeler la pouf d'Adi parce que là, on ne peut pas l'appeler autrement. Ce n'est pas possible. Hein. Euh, bon, il n'y a pas que lui, bien évidemment. Alors, pour vous résumer l'histoire, en fait, euh, ce, ce, ce chanteur de rap, n'est-ce pas, <coughs> euh, a fait carrément plus que, que l'affaire Ep.Stein. Euh, Ep, Ep. Ah, hein, si, si c'était euh, c'était euh, euh, comment vous dire ça je crois qu'Epstein, à côté c'était du pipi de chat voilà ouais, ouais c'est industriel lui hein. c'est organisé c'est eh, vas-y 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 que je te filme alors ce qui est vraiment dégueulasse c'est pour ça que je l'appelle la pouffe parce que ce qui est vraiment dégueulasse c'est qu'en fait en plus il droguait ses invités euh, pour en abuser voilà les, les grands les petits les voilà et il les filmait bien évidemment et c'est comme ça que l'industrie du rap là de tout ce qui se passe là euh, va dégringoler théoriquement. Euh, il pourrait y avoir aussi quelques quelques politiques ou, que, ou quelques personnes, euh, quelques personnalités euh, pas spécialement américaines, mais peut-être que je ne sais pas, peut-être que ça va éclabousser quelques ah oh, ben on ne sait pas en France. Oh, on ne sait pas, on ne sait pas. En tous les cas, c'est pas c'est pas très joli joli. Euh, c'est même carrément, euh, mais c'est terrifiant, c'est terrifiant ce qu'il a fait, hein. terrifiant. Donc on attend parce que ils sont à peu près euh, là, il y a une centaine d'artistes qui ont été quand même euh, répertoriés sur une liste à peu près. Euh, voilà, on ne sait pas, on verra bien. Mais c'est carrément dégueulasse. Hein. Je vous le dis. Moi, j'ai écouté des vidéos. Il euh, y a quelqu'un a priori qui est encore plus connu que Pouf Daddy. Ouais. Alors nous, ben, je ne pense pas que mes, mes abonnés connaissent mais moyennement quoi. C'est pas. Euh, je ne pense pas que vous écoutiez du rap du matin au soir. <laughs> Donc voilà quoi. Quand même, je vais demander si euh, <coughs> cette affaire avec la pouf d'Adi va avoir des répercussions en France, par exemple. Hein Qu'est-ce que vous en pensez C'est. Oh, mais c'est un truc de malade Je ne peux même pas vous résumer, c'est trop. C'est trop. Euh, il, 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 il semblerait, au plus que sa femme, l'avant-dernière la, la, qui est décédée d'une pneumonie, il semblerait que toutes les personnes qui côtoient. Euh, la pouffe, <laughs> la pouffe daddy. Euh, euh, bon, ben quand tu quand tu les gênes un petit peu, c'est marrant, ils meurent tous d'une pneumonie quand même. Hein. Il y a un truc bizarre. Hein. Donc, euh, non, non, c'est terrifiant. Je vous dis, c'est terrifiant. Euh, j'ai entendu dire aussi que Denzel Washington avait été écœuré il avait été à une soirée de, de la pouffe, la pouffe daddy. Ça y est, j'ai plus d'internet encore. Euh, il avait donc. C'est bon. Il avait donc été dans une soirée. Euh, la pouffe, d'Adi, il est ressorti écœuré. J'adore Denzel Washington. En plus, il est beau, c'est un super acteur. Euh, il avait été écœuré. Donc euh, voilà. C'est euh, moi. Par, par contre, le petit Justin Bieber, il me fait mal. Mais dis donc, oh là là, j'ai écouté des choses. Et puis alors bon, il y a toute la toute la clique. Là, il y a Obama, il y a euh, Ofra Wimprey. Wimpre. Oh, Ophra Winfrey. Oh, je ne sais même plus comment elle... Je ne sais plus. Enfin, si vous connaissez, alors il y a toute la clique, toute la clique, ils connaissent tous la Pouf d'Adi. Eh oui. Donc, est-ce que cette histoire dans le dans le monde musical du rap va avoir des répercussions en France On va voir. Déjà. Bon, non, a priori, c'est euh, c'est bloqué pour la France. Hein. C'est bloqué pour la France. Tiens donc, c'est bizarre ça. C'est très étrange. Fais voir, qu'est-ce que je pourrais. Pourquoi ce serait bloqué pour la France Pourquoi ce serait bloqué pour la France, les copines Hein Est-ce que les personnes vont se faire la mal avant Je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens qui, qui s'en vont là. Là, je parle du gouvernement français. Est-ce que l'histoire de, de Pouf d'Adi, de n'est-ce pas Va avoir des répercussions en France. Voilà ce que je dis, moi. Est-ce que va. Non, je ne pense pas. Parce que. Je, oh là Oh, ben un petit peu quand même. Hein, je ne sais pas ce qui va se passer dans le gouvernement. Il y, a, il y a encore un truc qui va. Euh, qui, ah, ça risque quand même d'exploser aussi. Hein, il va y avoir des révélations, peut-être, allez savoir. Il y en a qui vont changer de lieu. Pourquoi changer de lieu Je ne comprends pas. Ah, c'est possible. Hein. Alors, c'est vrai que moi, j'ai vu aussi euh, un défi Sarkozy qui était. Bon, pas parce que tu es en photo avec quelqu'un. Euh, je veux dire, quand tu es un artiste. Euh, tu es en photo avec quelqu'un ça veut pas dire que tu, tu peux te prendre en photo avec quelqu'un et puis c'est tout ça s'arrête là il n'y a pas plus tu vois bon mais quand même le fils de sarkozy est quand même avec euh, avec euh, pouf daddy la pouf daddy euh, bon ça veut rien dire hein, bien évidemment puisqu'il faisait des soirées il faisait des soirées mais c'est des soirées qui commençaient après minuit vous voyez c'était des soirées genre euh, super sympa pour tout le monde soirée blanche et tout tout le monde s'éclate euh, avec des mille personnes c'était bien et tout mais passer une certaine heure c'était autre chose ah après c'était euh, c'était une soirée un peu space un peu bizarre et vous avez vu aussi qu'il y avait quand même des comment ça s'appelle il y a un tunnel il a fait creuser un tunnel sous sa maison qui va, euh, bah, qui rejoint d'autres euh, grandes maisons, euh, pas des domaines, mais presque, d'autres artistes. Ça, c'est bizarre quand même, non C'est très, très bizarre. Très, moi, je dis que c'est très étrange. Pourquoi creuser des tunnels et, et, qui, et en plus qui atterrissent, ces tunnels atterrissent sur des maisons à Los Angeles et Los Angeles, des maisons d'autres artistes d'autres très grands artistes. Alors, est-ce qu'ils sont tous de mèche Tu vois En tous les cas, pour la France, est-ce qu'il va y avoir des répercussions Il y a quand même des... Alors, s'il y, des... y avait... A, il y a quand même la notion de surveillance. Il y a quand même la France qui est quand même... Les Français sont un petit peu surveillés, bon, un petit peu quand même, mais nous, c'est le pays. Hein Vous savez très bien qu'en France, on a... il n'y a jamais rien. Non. Non, il ne se passe jamais rien en France. Dès que ça, ça, ça concerne la pédophile. Euh, point Philly, euh, il, il se passe jamais rien. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Il se passe des choses. Toujours, euh, c'est trop canassé en France. Hein. On n'aura pas. De, mais quand même, il y a un truc qui est pas, qui est pas. Euh, oui, ouais, on parle de ça quand même. Hein. Il y a un truc qui a un rapport avec le sexe, mes amis. Oui. Donc peut-être. Alors, je dis pas, je ne dis pas qu'il. Et ça concernerait une famille. Ça concernerait une famille. Tiens, tiens, tiens donc. Si ça vient en France, hein. si ça vient en France, ça concernerait une famille. On va avoir quand même, s'il si, va y avoir quand même euh, euh, des, des des nouvelles, on va des rumeurs, on va dire ça comme ça. Il va y avoir des rumeurs concernant la France, sur une famille de France qui aurait des appointances avec euh, la Pouf Dadi, n'est-ce pas c'est des rumeurs. C'est des... pas euh... là, c'est pas euh, de la pédophilie. C'est c'est juste des trucs un peu bizarres. Hein. Il y a quand même des rumeurs. Hein. Ça risque de tomber sur quelqu'un quand même. Hein. Ou alors c'est un Français. Ou alors ce sont une... des familles, fr... ou alors une famille française qui vit là-bas à Los Angeles, qui connaît bien euh, Povdadi et ses soirées. Et de fait, il va y avoir quand même des trucs, euh, des petites révélations sur une famille. Moi, je dirais sur une famille. Hein. Je ne parle pas de la famille Kardashian, tiens, maintenant que j'y pense, parce qu'il y a aussi la famille Kardashian qui est mêlée de très près euh, à toutes, euh, toutes les manigances de, 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 de Puff Daddy. Hein. Euh, ah oui, il euh, y a quand même du chantage par rapport à des hommes politiques. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment très louche, hein. très très louche. Hein. Donc, euh, s'il y a des hommes politiques euh, qui sont touchés euh, au state. Euh, ça pourrait bien évidemment venir. Ah, on va avoir des nouvelles concernant, oui, des, des, des gens très jeunes. On va avoir des nouvelles par rapport à des gens très jeunes. Hein. Ça, pour moi, ça concerne une famille, on verra bien de toute façon. Ça peut être une famille, ça peut être aussi un parti politique. Hein, une famille politique, un parti politique. Mais ça va, il n'y a pas de. Il y a quand même la protection qui est là pour la France. Enfin, la protection. Ah, là, 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 la protection, la protection pour la France. Hein. Mais on va quand même entendre des rumeurs concernant la France. Est-ce que ça concerne un homme, une femme Tiens, ben, je vais re retoquer ça. Est-ce que ça concernerait plutôt euh, un homme, plutôt une femme Bon, là, c'est une famille. Des rumeurs concernant une famille en France qui aurait des appointances avec Pididi. Ah là là Des appointances avec Pididi, les copines. Ah une famille qui aurait été qui aurait été vivre euh, là-bas, à Los Angeles. Bon, on verra bien. C'est peut-être des, peut des artistes français. Encore Bizarre ça. C'est peut-être des artistes français qui ont été, euh, qui ont émigré là-bas et qui ont connu euh, euh, ce milieu-là. Et peut-être on en entend parler. Mais il y a quelque chose qui se passe quand même au niveau du gouvernement. Vous voir Je vais en retirer une au niveau du gouvernement, il y a quand même quelque chose qui s'écroule. Qui s'écroule euh, Qui s'écroule Qui s'écroule Et puis il y en a peut-être qui vont se faire la malle parce qu'ils sont quand même un petit peu. Enfin, euh, ils vont mettre, s'ils étaient en, euh, en contact très proche avec, euh, avec la pouffe, Daddy. Euh, peut-être qu'ils vont euh, dire euh, tu es gentil mais tu ne me parles plus quoi. Enfin, maintenant... <laughs> non c'est un peu trop tard j'ai envie de te dire <laughs> c'est beaucoup trop tard hein. ouais, a... il va y avoir quand même des révélations concernant euh... Alors, soit une famille politique soit une famille en France voilà donc il y a quand même quelques il y a des rumeurs qui vont arriver des rumeurs des rumeurs les copines on verra bien bon pour l'instant euh... pour l'instant ça ne me dit trop rien on peut voir Ouais. Moi, je vois bien encore un accident de voiture. Alors, est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on me dit Est-ce qu'on va faire taire quelqu'un Va falloir faire euh, regarder euh, ce qui se passe en France. Je sais pas s'il y a des personnes, s'il y a des personnalités politiques ou des artistes d'un seul coup qui décèdent dans un accident de voiture. On pourrait se dire que... Ah ben, on pourrait se dire que, que c'est peut-être en lien avec l'affaire Pouf tu vois Eh oui. Donc... On va bien voir. Ceci étant dit, on va se faire une petite actu-voyance de derrière les fagots. Plus de j'ai plus d'Internet, de, de, là, encore Qu'est-ce que ça m'énerve Ah, j'espère que non. Hein. Oh là Alors, le mois d'octobre, c'est la tromperie, c'est les mensonges. Tromperie et mensonges, les copines. Oh là là, là. Concernant... Ben, je me demande si ce n'est pas ça, finalement. Hein. Attendez, j'ai un doute, là, par rapport à ma... Euh, j'ai un doute par rapport. Ah, j'ai plus d'internet. Attendez, je fais... Attendez, deux secondes. C'est bizarre quand même. On dirait que je n'ai plus d'internet. Je n'ai plus d'internet. Bon alors, il y a. Euh, on... Ah, ça y est, j'ai compris. Là, on nous trompe. Alors, le mois d'octobre. Je ne sais pas quand est-ce qu'on doit changer les. Là, on nous trompe sur euh, sur Notre-Dame. Hein. D'accord On va nous mentir par rapport à Notre-Dame. On va apprendre des choses encore. On nous trompe. On... Le mensonge. Le mensonge, peut-être qu'une journaliste va. va... Une journaliste euh... professionnelle ou pas, on va dire, on s'en fiche, hein, de le moment qu'elle nous apprend des choses. Donc, quelque chose par rapport à Notre-Dame. Le mensonge. Tiens, tu vois, il y a le pape qui est là. Ah, ça tombe bien, ça. Et le pape qui devait venir en France, à Paris, il devait venir à Paris, il a répété deux fois je n'irai pas à Paris, je n'irai pas à Paris. Pourquoi il le répète deux fois C'est quand même très étrange, non Parce qu'il devait venir pour, à l'occasion de, euh, comment ça s'appelle, la rénovation de Notre-Dame, il devait venir pour la réouverture, on va dire comme ça, euh, de Notre-Dame, il devait être là lui aussi, eh bien il ne sera pas là. Et c'est bizarre parce qu'il est juste là, le pape, et là, Notre-Dame, pour moi c'est Notre-Dame ici, d'accord Qu'est-ce qui se passe Il ne viendra pas à Paris. Par contre, il est à côté. Hein. Je crois qu'il est en Belgique, là où je ne sais pas. Il n'est pas très loin. Hein. Peut-être pas en Belgique, mais enfin, un truc comme ça. Un pays limitrophe de la France. Euh, donc, il n'est pas très loin, le pape. Mais il ne veut absolument pas venir à Paris. C'est quand même bizarre, ça. En plus, pour, euh, pour célébrer Notre-Dame, ben non, il ne veut pas. Vous trouvez ça normal Moi, je ne trouve pas ça normal du tout. Donc, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. À moins que... Ah ben, attends. Vous peut voir, il va se passer quelque chose. Hein. Qu'est-ce qui va se passer Ça concerne le pape et Notre-Dame, hein, les filles. Hein. Ça concerne le pape et Notre-Dame. Tiens, pour une fois, je vais faire, je vais faire comme ça. Attends, on, va faire, on va faire. On va. Ouais, c'est encore ça. Pour une fois, je vais faire comme ça. Ça m'énerve, ce fil. Ça m'énerve. Et puis, ça coince et ça coince. Je le mets parce que je sais que vous m'entendez bien, mais là, je, je suis pas encore trop bien installée, donc forcément. Forcément, forcément. Donc, j'en étais où? Ouais. On va faire comme ça. Il se passe quelque chose par rapport au pape et par rapport à Notre-Dame. Mais quel, quel lien entre le pape et Notre-Dame? I don't know. La tromperie sur l'argent. <laughs> en fait, il y a beaucoup d'argent caché aussi, hein. Il y a de l'argent qui est caché. Ou alors, c'est quelqu'un qui, qui planque de l'argent, l'argent de la France. Hein. Euh, il y a euh, la mainmise sur l'argent, sur, sur les comptes français, on va dire ça comme ça. Sur les comptes français, il y a la mainmise sur les comptes français. Hein. Faites attention à vos thunes. Hein. Enfin, moi, je n'en ai pas comme ça, tout va bien. Euh, <laughs> ça va être vite vu. Alors, des nouvelles. Ah, ça, ça doit être… Comment il s'appelle Ça doit être… Euh, ça, c'est les Gilets jaunes. Hein. Bon, c'est un… Des nouvelles de cet homme, ce serait pas euh, comment il s'appelle déjà euh, un gilet jaune là, oh je sais plus, c'est possible. Peut-être qu'il va prendre un avocat. Il y a des nouvelles par rapport aux gilets jaunes. Ah ben soit ça repart, fais voir, soit il y a, ça repart avec les gilets jaunes. Ça c'est la journaliste, d'accord. Donc il va y avoir il y a quelque chose avec les gilets jaunes, il se prépare quelque chose encore, hein encore, encore. Oh ben, dites-moi, c'est quoi ça Pourquoi Hein il y a le couple, alors c'est peut-être le couple présidentiel qui est euh, la cible de je ne sais pas, je ne sais pas. La cible, on va les attaquer, d'une façon ou d'une autre. Les attaquer, pas, pas, euh, pas férocement, pas physiquement, rassurez-vous. Mais ils vont être attaqués quand même. En tout cas, il y a un couple qui va être attaqué. Ah, c'est peut-être par rapport à l'affaire Pididi, allez savoir. Parce que moi, je voyais une famille. Hein. Peut à la... ah, ça pourrait être par rapport à l'affaire Pididi, bien évidemment. Alors, Marine Le Pen, le président. Et... Ah, d'accord. Alors ça, c'est le ministre, le nouveau ministre de l'Intérieur qui est là. Et je pense qu'il y a une rencontre encore entre Marine Le Pen, le président, euh, et avec le ministre Rotaillot, c'est ça, Rotaillot qui s'appelle Et avec le, le... Il y a quelque chose comme ça. Ah bon Ah bon Tiens, donc, on verra bien. On verra bien, on verra bien. En tout cas, ils, va... ils vont se... Ils vont se voir tous les trois. Hein tous les trois, tous les trois. Alors ah tiens. Ben ça, c'est Miss Brigitte Macron qui s'en va, qui va, qui part, euh, qui prend la route. Alors, où va-t-elle? <laughs> Je ne sais pas. A ah, peut-être rejoindre son amant. Hein, on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. Elle prend la route avec euh, elle prend la route. Mais où est-ce qu'elle va? Elle prend la route pour aller où les copines? Ouh, vous voyez ça, ça à la coupe, c'est bien hein, Brigitte Macron. Hein la grande dame. Donc, elle prend la route. Mais où va-t-elle Alors, ce que je vais faire, moi, je vais rajouter une carte à chaque fois, ce sera beaucoup mieux. Comme ça, je saurai. Ah, ah ben on nous parle de... Bah tiens, encore, on nous parle des souterrains. Euh, on nous parle des souterrains à l'Élysée. Enfin, des, vous voyez, des... des, des J'en ai parlé souvent des souterrains. Il y a quelque chose encore avec les souterrains. Alors, moi, ce qui me fait peur, c'est que si jamais on me parle de souterrains et qu'on me montre l'Élysée, alors, soit on me montre l'Élysée, soit on me montre, bien évidemment... Euh, la maison de, de Pouf Dadi hein. ouais parce que là il y a bien les souterrains qui sont là hein. il y a bien les souterrains ah et donc ah peut-être qu'on essaye de me dire qu'il y a des souterrains qui vont, qui vont même euh, dans les maisons d'hommes politiques ou de Biden vous voyez des trucs comme ça non c'est pas possible, <laughs> faut pas exagérer <laughs> t'imagines le souterrain <laughs> waouh euh, ce serait un peu trop. Allez, je vais faire comme ça. <coughs> ah I feel good. I feel good, I feel good. Alors, là, on parle quand même d'enfants. Ben là, encore, hein, le palais, quand même. Il y a quand même un temple, un sanctuaire. Qu'est-ce qui se passe il y, a des, il y a des cérémonies. Ah ben, c'est ça. Non, ça, c'est Peuf d'Ali, ça. Il y a des cérémonies, justement, avec des enfants. Hein, des cérémonies. Vous voyez le genre de cérémonie avec des enfants, mais c'est. Alors, est-ce que c'est en France qu'on arrache, en plus qu'on arrache à, leur, à leurs parents hein C'est des enfants qui sont enlevés, ça. Hein on va en entendre parler. Hein Et pour aller dans un temple sataniste, hein j'imagine. On voit rien avec cette caméra. Pour aller dans un temple sataniste, hein pour faire des encore l'enfant, tu vois, des rendez-vous. C'est quoi ça Des rendez-vous, des rendez-vous. C'est qui cette femme brune je ne sais pas, c'est bizarre. Un rendez-vous avec un enfant Allez donc, voilà autre chose. Voilà autre chose, les copines. Une femme brune qui, va, qui prend rendez-vous avec... Voilà, c'est ça, en fait. Ouh, là, il y a une... Par contre, alors, elle a risque de se prendre un coup de poignard, hein, quand même. Ah, si, si, si. Il y a quelque chose qui, qui, qui se mijote. Il y a quelque chose qui se mijote, les copines. Hein. Donc, il y a une femme blonde. La dernière fois que j'ai vu une femme blonde, c'était comment, comment il s'appelle C'était Trump. Mais là, euh, une femme, oui, plutôt avec les cheveux blancs ou blondes, hein, euh, qui là. Alors, par contre, je ne la vois pas. Euh, comment dire Je la vois pas décédée. Vous voyez ce que je veux dire Mais il euh, y a une femme blonde qui risque de se prendre un coup de poignard. Hein, je suis désolée, mais c'est ce que je vois. Hein. Ah, ben ça va être du grand changement pour elle, ça c'est sûr. Hein. Ouais, non, ce n'est pas ça que je suis bête. Ah, qui c'est cette femme mais je vous dis, euh, il va falloir faire très attention parce que là aussi, ça, moi je pense que c'est un rapport avec tout tout ce qui se passe en ce moment. Vous vous rendez compte que c'est la catastrophe quand même. C'est la catastrophe. Ce, ce, ce pouf d'Adi va faire tomber, mais mais, mais mais le monde là va, va changer pour de bon. Est-ce que vous voyez tout ce qui se passe en ce moment Il y a la guerre partout où tu tournes la tête. Il y a la guerre, l'autre, euh, toute l'industrie musicale de rap machin là, avec tous les gens qui sont euh, euh, punaise, qui sont euh, oh là, dans l'histoire il va faire tomber l'américain enfin l'amérique hollywood euh, los angeles enfin tous ces gens là de, oh, moi je suis ah euh, oh, je reste sans voix je et c'était vraiment et c'est vraiment l'époque hein, je vous avais dit il va y avoir des grandes révélations euh, c'était euh, ben, qu'on entrait en fait hein, dans des révélations que tout allait savoir plein de choses allaient se savoir mais ça se confirme ça se confirme, les copines. Tout se sait. Tu vois Là aussi. Là, on est en train de droguer les gens aussi. Euh, D'accord. Donc là, on offre des boissons aux gens. Je vous dis, c'est l'affaire Pi. C'est l'affaire Pouf. C'est l'affaire Pouf, t'as Ouais, ouais. Ça, on offre les, des boissons, euh, à des, des boissons empoisonnées en quelque sorte, à certaines personnes. Donc, c'est tout à fait la suite. Euh, une femme brune qui va se retrouver devant la justice. Je dirais même que c'est une femme brune, je dirais même que c'est une femme plutôt euh, orientale, on va dire style oriental. Hein. Je pense qu'elle se retrouve devant la justice. Ah, ce ne serait pas comment elle s'appelle, ce ne serait pas euh, comment elle s'appelle, Rachida Dati par hasard, je ne sais pas, je vous dis ça, mais il y a la justice qui est derrière elle. Et comme je vois qu'elle est orientale, ah, c'est possible. Alors, D'accord. Euh, alors c'est qui lui Il bon, y a un homme aussi là qui, qui espionne. Qui espionne, qui espionne. Alors, est-ce qu'on me parle d'un espion chinois ou d'un espion russe Est-ce qu'on va entendre parler d'un espion chinois ou d'un espion russe Vous ne voyez pas ma carte et ça m'énerve. Peut-être qu'on me. Alors, bon, on me parle d'un espion, en tous les cas, quelqu'un de très mauvais. Hein Très mauvais, qui surveille. Je ne sais pas ce qu'il surveille, mais il est méchant. Il est vicieux, le garçon. Il est très vicieux. Eh oui. Ils ont tous le vice. Hein, vous avez vu tous le vice quand même. Incroyable. Qu'est-ce que ouais. Oui, il faut faire attention par rapport à. Il va y avoir des accidents. Des voyez des accidents. Des, peut-être que des. On va nous faire croire que c'est genre pas un attentat, mais il y a un fou qui a fait ceci, qui a poignardé un tel machin juste falloir regarder qui sont les personnes qui sont attaquées si c'est des personnes connues ou politiques ou qui ont un lien avec des gens connus il faudra faire attention parce que ça ce ne sera pas anodin ce ne sera pas le hasard et tout ça et tout ça ce sera fait exprès alors mmh. Bon, écoutez, là, on s'en fiche. On s'en fiche. On... Oh ben là, là, là c'est la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe là Alors, là aussi, il y a quelqu'un qui va être en tournée. Je ne sais pas qui c'est. Une personnalité. Ça pourrait être Brigitte Macron en tournée. Et euh, ben euh, qu'elle fasse attention, parce que je ne sais pas si c'est Brigitte Macron ou si c'est une autre femme. Ça doit être une femme politique. Et ben, elle devrait faire très, très attention. Ben parce que bah parce que parce que bah parce que qu il y a quelque chose de très mauvais qui, qui l'attend en fait quand je dis très mauvais c'est très mauvais hein. alors je sais pas si c'est la blonde que j'ai vue tout à l'heure mais ça va être quand même très méchant très méchant méchant tiens regarde ça s'invente pas ah encore euh, encore une arme hein. donc ça ne s'invente pas il y a quelque chose de très méchant par rapport à une femme qui se déplace qui fait une tournée qui va se déplacer une femme politique bien sûr Euh... Qu'on va essayer d'attaquer physiquement. Ça se trouve, c'est la blonde que j'ai vue tout à l'heure. Là, j'ai pris le petit oracle V. Je l'avais continué, mais j'attends je, je, bah, la suite. Mais il dépanne bien aussi celui-là. Ouais, ouais, ouais. Il y a un truc très mauvais, là, qui se prépare pour une femme blonde. Hein. femme enfin, blonde. On ne rien, mais en tout cas, pour une femme. Je vous dis, ça pourrait être une femme politique. Hein. Alors. Alors, alors. L'isolement, pour qui l'isolement Bon, on verra bien ça. C'est quoi Tac, 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 tac. Okay. On verra bien. Un isolement. Un isolement forcé et contraint. Alors, faites attention à vos comptes, parce que j'ai bien vu qu'on met, met quelqu'un à la mainmise sur nos comptes. Hein Donc si vous avez euh, une petite fortune, euh, bah faites très attention quand même. Alors, <coughs> faites très attention quand même. Hop. Hop, hop, hop. J'espère que ça enregistre. J'ai peur. Je crois que je vais, je crois que je vais arrêter avant parce que j'ai pas l'impression d'avoir Internet. Ça serait dommage quand même que je fasse une vidéo et, euh, que je n'ai pas Internet, les copines. Alors, manifestation. Manifestation. Ça, c'est les gilets jaunes. Cherchez pas. Les... Bon, je... enfin, les gilets jaunes. On verra. On sait pas. Euh... ah. Le feu. Le feu. Il euh, y a des gens qui se concertent, qui se rassemblent pour, euh, eh ben oui, pour foutre le feu, mes copines. Oui, pour foutre le feu. Il y a un attentat qui se prépare, hein. mais ce sera avec le feu, me dit-on. Tu vois Ouais, pour foutre le feu. Donc, à une, à une maison, une enceinte, un bâtiment, euh, un bâtiment public, euh, je ne sais pas. Un bâtiment public, un bâtiment, euh, comment on dit, euh, classé, un monument. Vous ils voyez Ils sont en train d'en parler là. Ils veulent foutre le feu. Ben, ça va être beau. Ils veulent, ils foutent le feu au monument. J'espère juste que ce n'est pas Notre-Dame, c'est tout ce que je demande. Non, on a déjà donné. Allez, je ne vais faire que trois cartes là. Alors. Et les câblots. Et les câblots, et les câblots. Ça, je vais le mettre là. C'est qui ça je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Bon, les copines, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je n'ai plus Internet. Je n'ai plus Internet. il n'y a plus de. Je ne vois plus la petite. Vous voyez la petite barre et tout là. Donc je vais arrêter là. On va s'arrêter là. Je, je prendrai la suite après. Je vais déjà vérifier si... Parce que c'est ridicule que, bah oui, ça serait dommage de tirer les cartes et qu'il ne se passe rien, que vous n'ayez pas de son ni d'image ou je ne sais pas quoi. Donc j'ai arrêté là et je ferai la suite. Je vais vérifier si ça passe. Et si ça passe, ben je, je ferai la suite. Alors. Ah, ça, il y a quelque chose avec une famille, les copines. Hein. Il va se passer quelque chose avec une famille. Hein. Ah, si, si, si. Hein. Une famille, hein. Là, je ne sais pas, il y a, y a quelque chose. Hein. À moins que c'est bizarre, ça, quand même. Il faut faire... Quelque chose avec une famille. Une famille, c'est comme si une famille allait être assassinée. Ou, 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 alors je ne dis pas assassinée, mais en tous les cas, y a, ou alors elle s'en va, elle a peur, elle, elle s'enfuit. C'est quoi cette histoire Bon. Ah, on va voir ça après. On va voir ça après. Oula, encore une possibilité d'attentat sur... C'est qui cet homme avec les cheveux clairs Les cheveux... Euh... Est-ce que c'est comment il s'appelle Est-ce que c'est Trump ou est-ce que c'est Poutine Il y a encore un attentat sur Trump ou sur Poutine Enfin, je dis Trump, Poutine, ça pourrait être aussi, comment il s'appelle euh, Ariel euh, Sharon, moi n'importe quoi. Euh, L'autre, là. Le, le torsionnaire. <coughs> comment il s'appelle déjà Le ministre israélien, là. Quelque chose comme ça. Hein. C'est qui ça Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Il un truc comme ça. Qu'est-ce qui va se passer C'est bizarre ça. Hein Qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi ça On peut voir. Ou alors il y a son téléphone qui va exploser. J'en sais rien moi. Hein C'est chou. Oh je ne sais pas. C'est très étrange ce que je vois. Parce qu'en même temps je vois de la drogue. C'est bizarre. Je vois de la drogue. Beaucoup, beaucoup de drogue. Je vois une attaque. C'est quoi cet embrouille hein je... C'est bizarre ça. Alors c'est lui qui est drogué? Bon écoutez, c'est un homme aux cheveux clairs en tous les cas. Aux cheveux clairs, aux cheveux blonds. Euh, je ne sais pas. Y a... Et en plus, il y a de la drogue là-dedans. Tout est mélangé là. là, mes amis. Ça fout les jetons. Bon, allez, je m'arrête là. Parce que si je parle dans le vide, ça va m'énerver. Euh... C'est quoi ça? Bon oui, d'accord, il va y avoir un maximum de vent. On est d'accord. Et ça, c'est qui? Ah oui, c'est le. Ouais, d'accord. Bon, il y a encore la notion d'un prêtre, un religieux. Euh, je ne sais pas ce qui se passe avec ce religieux, ça m'énerve. Tiens, attends, je remets une autre quand même là. Avec un homme assez mauvais à, à ses côtés, ou est-ce que c'est le religieux en question qui est mauvais Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. <coughs> je ne sais pas. Moi, bon, je ne vais, vais pas rester trois heures là-dessus. Bon, bah, je suis désolée, j'arrête parce que je vous dis, je n'ai plus Internet, je ne vois plus la petite barre. Ça s'est éteint il y a un petit moment. Donc moi parler dans le vide, j'ai déjà plus de voix, hein. Je continuerai le reste après. Je vous fais des gros bisous. On like, on partage et euh, et on like et on partage, d'accord Allez, je vous mets quand même mon petit générique de fin. Oui, on va le faire comme ça. Bisous les copines. <music>